Salut à tous. Aujourd'hui, donc, on va reprendre un peu ce qu'on avait entamé hier sur le jeu TNT Run. Alors, j'avais échoué lamentablement, en fait, presque dès le début. Et à la suite de ça, le serveur s'est mis à, enfin, le serveur a complètement planté. Apparemment, ça venait pas de moi, hein. C'est bien le serveur qui a eu un problème. Donc aujourd'hui, je vais quand même réessayer ce jeu, essayer de faire un peu mieux. C'est le TNT Run. Et donc on va pouvoir commencer tout de suite, je vais enlever ça. On va pouvoir commencer tout de suite... là-bas. Ouais, il y en a un à 12, pourquoi pas. Je sais pas trop où est la différence, où l'arène est plus petite. Oui, bah ça ira plus vite comme ça. Oui, sinon j'ai réglé le problème avec mon logiciel qui filmait une fois sur deux. C'est un problème tout con, hein, comme souvent. C'est la touche F11 qui sert à mettre Minecraft en plein écran. En fait, c'est aussi un raccourci clavier sur le dit logiciel. Donc forcément, ça faisait des conneries. Bon, allez, on va pouvoir reprendre. On va essayer de se concentrer, de réussir cette fois-ci. Faut dire que jusque-là, j'avais pas vraiment compris le jeu, mais maintenant si. Et donc partout où on marche, voilà, ça creuse dans l'arène, ça fait tomber le sable et le gravier. Évidemment, ça devient très vite difficile. Et du coup, voilà, on peut pas rester longtemps sur le même bloc. Alors je vais essayer de pas trop... Il y a des stratégies évidemment. Merde. Oula. Et puis quand on se met à tomber comme ça, c'est jamais bon. Ouais, le centre en général il est vite torché. Ouais. Donc c'est assez sympa comme jeu. Je crois qu'il y a un jeu semblable dans les nouveaux, hein, les arcade games, qu'on attend toujours. Oula. Ouh là là, je suis tombé deux étages d'un coup. On attend toujours les arcade games. Il y aura un jeu similaire avec de la lave, il me semble. Voilà. J'en dis pas plus. Je les testerai dès que j'en aurai l'occasion. C'est-à-dire dès qu'ils seront plus réservés au VIP. D'ailleurs, en parlant de système VIP, tout ça, Mojang a entériné un... Oui, bah, j'ai perdu. A entériné un contrat qui est le CLUF. Et qui en gros... Qui en gros interdit les avantages payants sur les serveurs. Donc, je sais pas trop à quel niveau le serveur d'Hikpixel va être concerné, mais à mon avis ils vont devoir revoir certains points du... Enfin, je sais pas, on verra bien, à moins qu'il soit considéré comme une exception, enfin bon. Mais en tout cas, cette charte entrera en vigueur le 1er août, si je me trompe pas. Bon, d'ici là, c'est sûr qu'on a le temps de le voir venir, hein, mais donc voilà, les avantages payants seront donc interdits, mais il restera possible de recueillir des dons ou de faire payer, mais à condition que tout le monde ait les mêmes fonctionnalités sur le serveur. Voilà, que tout le monde ait accès aux mêmes fonctionnalités. Bah, c'est pas forcément une mauvaise chose, hein, d'ailleurs, cette charte. Bon, chacun son point de vue après, mais je pense que ça peut éviter certains abus, certaines arnaques. Parce qu'il faut quand même pas oublier que, bon, sur Internet, on peut se faire arnaquer facilement. Et je pense que ça peut avoir un effet positif de ce côté-là. Voilà, donc on verra bien le changement. Oui, alors du coup, qu'est-ce que je voulais faire? Ouais, bah je vais peut-être me refaire un petit boost pif, tiens. Essayer de gagner, ça pourrait être sympa. Alors, en parlant, ouais, bah... Wizard, je sais plus ce que c'est, mais alors je pense que je le testerai avant de filmer dessus, comme ça je verrai un peu. Pareil pour les TNT Tag, je sais plus trop ce que c'est.
Boost Spliff, ouais, il va se remplir celui-là. Sinon, Minecraft, la dernière version en date, c'est la 14W25B, qui intègre d'ailleurs pas mal de nouveautés. Notamment un nouveau mob marin, enfin les temples sous-marins, puis le... Et le nouveau mob aquatique qui fait beaucoup penser à Quillfish d'ailleurs, au Pokémon Quillfish. Donc à l'occasion, je testerai pas forcément en vidéo, mais ouais, faudrait que j'essaye cette version. Et puis il me semble que de toute façon, celle de la semaine 26 devrait sortir demain en fait. Enfin, ça dépend, je sais pas. Voilà, bon, donc on va commencer. J'ai un peu de... Ouais, non, je suis toujours à 20 FPS. Bon. Oula, j'ai de la latence. Ça, c'est jamais bon. Surtout ici. Bon. Donc voilà, on se retrouve sur du beau spliff. Bon. Donc encore une fois, je vais essayer d'aller loin. Si possible plus loin que la dernière fois parce que j'en ai pas fait depuis lundi hein, dans du boost pif non. Et comme en général je m'en sors plutôt bien. Ouais, bon. Oh, je vais pas en refaire une, bon, c'est. Ouais, donc c'est pas mal, je suis quand même arrivé presque à la moitié. Mais bon. Ouais, bah forcément, encore une fois, ça dépend du niveau des autres joueurs. Hein. Ouais, y a des spectateurs. Ouais. Ça dépend du niveau des autres joueurs. Ouais, bah là, ils avaient l'air plutôt bons, a priori. Vu que ça part assez vite. Bon, on va peut-être pas attendre. Voilà. Bon allez, on essaye le TNT tag ensemble. Tiens, celui-là, ouais. Je sais plus du tout ce que c'est. J'ai déjà dû le tester. Ça me dit quelque chose, mais... Ça va être marrant. Ouais, sinon, pour les vidéos... J'ai quelques idées de jeux à tester. Le problème, c'est qu'il y en a qui ne passent pas avec le logiciel. Et ouais, il faudrait que je trouve un moyen d'enregistrer quand même. Bah, on verra. Parce que c'est vrai que pour l'instant, je sais, hein, il n'y a que du Hypixel. Bon, je sais bien que c'est pas très varié. Bon, mais oh ben, vous inquiétez pas, il y aura autre chose, hein, ça viendra. Mais bon, faut que j'établisse bien ce que j'ai envie de faire et les concepts que j'ai envie de développer. Bon, alors, ok, on a de la vitesse en tout cas. Que faut-il faire? D'accord. Donc je prends des dégâts apparemment, mais ça me fait pas baisser ma barre de vie. Ouais. Ça se prend ça, la virus? Non. Oui, je me souviens que j'étais déjà allé sur ce jeu, mais j'avais pas dû comprendre grand-chose. Bon. Mais qu'est-ce qu'il faut? Ah, il faut peut-être taper les autres, non? Bon, il y a des règles quelque part, mais c'est toujours chiant à lire. D'accord. Alors, je l'ai brûlé, apparemment. Ok. Bon, j'ai pas compris grand-chose, hein. Ouais, j'essaierai d'étudier ça. Bon, ça peut être sympa, mais quand on comprend. Il y a des, je sais, il y a des règles à lire quelque part, hein, mais bon, c'est toujours chiant de lire les règles.
D'autant plus que là c'est en anglais, mais bon, c'est pas forcément un problème. Bon, je verrai ça. Où est-ce que je pourrais aller? Alors, je vais regarder si à tout hasard, mais bon, j'ai... merde, c'est pas celui-là que je voulais faire. Arena Brawl, ça c'est en 2 contre 2. Alors, c'est un jeu qui pourrait être intéressant. 2 contre 2 ou 4 contre 4 d'ailleurs. Un jeu qui pourrait être intéressant si je tourne avec quelqu'un. On pourrait se mettre à deux contre une autre équipe. Donc à voir si, si une personne se propose pour le faire avec moi, pourquoi pas. Mais bon, on verra ça plus tard. Donc je vais retourner. Non, on va aller directement là, c'est parce que c'est là-bas que ça rame. Sur les arcade games, voilà, toujours pas disponible évidemment. Mais je vais regarder, il y a une demi-heure, j'ai vérifié. Hein, donc. Voilà. Ouais, les FPS, ça se maintient. Je vais donc faire un peu de... Bah, on se fait un petit blitz, non? Ouais, pourquoi pas. Je vais me faire complètement démonter, mais... Alors, je vais essayer de faire une carte que je ne... Bah, les docks, par exemple. Voilà. Oh, bah, ça va aller vite. C'est une sorte de Hunger Games en fait, mais en plus rapide. On va pouvoir commencer. Et il va falloir être extrêmement réactif d'ailleurs, c'est pas forcément mon point fort. Ok, si en plus on a un obstacle devant nous. Ah oui, il faut que je choisisse un kit. On a pas mal le choix. Cette fois-ci, je vais prendre le... Ah oui, y en a, on peut pas. Il faut que je me grouille. Meatmaster, hop. Voilà. Et maintenant, faut se grouiller, d'aller servir dans les coffres. J'ai eu une épée en pierre, ça c'est une bonne chose. Ouais. Non, il faut que je m'enfuis. Oula. Ça rigole pas. Évidemment, si je suis acculé contre le mur, ça va pas le faire. Ok. Bon. Il faudrait qu'il y ait un délai de sécurité avant qu'on puisse te taper, parce que là... Ouais, ça c'est un truc qui manque. Il me semble qu'il y en a un, mais un peu trop court. J'ai pas encore eu le temps de me faire... Ah, il y a un coffre, j'ai même pas vu. J'ai pas eu le temps de me faire à bouffer encore. J'ai du blé. Bon, cela dit, pour l'instant, j'ai pas besoin de manger. Il y a un coffre là. Ok. Oula, fortune 10. Sur des bottes, ouais. Pourquoi pas. Bon, bah voilà. Ça aurait été rapide. Bon, je suis pas très bon pour... ouais. En PVP, non. Ah, ça dépend. J'avais une épée en pierre pourtant, mais là, il m'a pris par derrière. J'ai pas eu le temps de voir pour lui. Bon, où va-t-on aller maintenant? Adventure Lobby, je sais pas ce que c'est, mais ça, à mon avis, c'est un truc plus long. Quoique, je vais aller voir, mais par curiosité. En quoi ça consiste, en fait? Bah, en tout cas, c'est à plusieurs. Encore une fois, ça c'est quelque chose qui pourrait être assez intéressant à faire avec quelqu'un, en compagnie d'un allié qu'on connaît, mais ouais, on verra. C'est pas forcément... Ouais. Faudrait bien comprendre les règles. Ça peut être intéressant, hein, je garde l'idée. Ah oui, on va se retrouver ici, forcément. D'ailleurs, il y a toujours des cochons par là. Bon, mettre un peu de Quakecraft pour finir.
Eh ben, je vais essayer de faire des cartes, enfin des arènes que je n'ai pas encore présentées en vidéo. Bah notamment bah, la Ustwood, j'avais dû la faire. Bah Mines, oui, c'est sûr. Démonique aussi. Zero, enfin, ou Zero, je sais pas quoi. Peut-être pas. Apex 2, j'aimerais bien la voir, mais s'il y a personne dessus... Je vais aller voir de l'autre côté. On en est à combien? Ouais, ça va, j'ai le temps encore. Bah, comme par hasard, celle-là, elle est pleine. Non, mais je préfère en faire une... pour varier un peu. Ouais, la... Est-ce que la Apex 2 de là-bas a plus de succès? Non, toujours pas. Ouais, c'est embêtant. Il y a pas grand monde, hein. Attendez, je suis dans quel lobby aussi? Peut-être que je vais aller sur le 1. Non, je suis sur le 3. Sur le 1, ça devrait aller plus vite. Ah bah non, quoique, bah non. Parce que mon cher ami... Non, non, en fait, c'est toutes les mêmes, les trucs. Quoique là, ça a changé, mais bon. Bon, bah, je vais faire une Forgotten, j'avais pas dû la faire, celle-là. Bah non, je crois pas. C'est la première fois que je la fais en vidéo. Oui, bah merci à mon cher ami Nicoulou27, qui d'ailleurs est sur Twitter également, et qui m'a bien dit que les jeux qui sont proposés sur les panneaux sont tous les mêmes, quel que soit le lobby dans lequel on se trouve. Voilà. Parce qu'avant, je l'ignorais, enfin, j'avais jamais vraiment fait attention. Et bon, bah, c'est parti. Voilà. Alors on va essayer de faire du bon. Cette carte-là, il y a pas mal de recoins, mais ça peut éventuellement jouer à notre avantage, c'est sûr. Bon, par contre, bah, forcément si je vise à côté, je vais pas l'avoir. Ah, non mais il y en a combien? Plus grande réactivité quand même. Avec l'habitude aussi, hein, ça, l'entraînement, c'est sûr que ça doit aider. Hop, celui-là, je vais dégommer. Ouf. Ouh, ça s'agite par là. Oh, bah là. Celui-là, hop, essayer de... Non. Rater. Si je pouvais avoir au moins... Si je pouvais au moins m'approcher de la victoire sans forcément la décrocher, ce serait bien. Je vais essayer de m'arroger pas mal de points au cours de cette partie. Même si je sais que ça va pas forcément être facile, d'autant plus qu'il y a énormément de... Bah, de recoins et de passages que je ne connais pas encore. Hein. Je connais pas toutes les arènes par cœur. Même si je commence à m'habituer à certaines. Et ouais. Hop. 6, bah c'est pas trop mal. Bon. 7. Ouais, je suis assez. Oh, 8. Ouais. Faut pas trop que je regarde seulement non plus le classement. Parce que si je pouvais gagner en vidéo, c'est sûr que ce serait pas mal. Même si une capture d'écran suffirait, c'est vrai, à prouver ma victoire, mais... Bon, sauf que le premier, apparemment, il va assez fort. Je suis deuxième, néanmoins. Ça se passe pas trop mal. Pour l'instant. Bon, c'est pas moi qui l'ai eu. Je vais essayer d'avoir l'autre, du coup. C'est raté. Ouais. Bon. Je pourrais au moins me vanter. Ouf, bien. Ça, c'est bien. Ce qui me remonte à 11, du coup, déjà. Allez, toi. Hop. Pas
mal. Hop, bon, tu as plus de la moitié, j'ai fait la moitié du chemin pour aller à 25. Parce que oui, hein, je le rappelle, mais c'est pour ceux qui connaissent pas le jeu, le premier, celui qui gagne est le premier qui atteint 25 points. Donc en gros, il faut tuer 25 personnes. Enfin, toucher, ouais. Enfin, tuer, c'est un bien grand mot, mais toucher 25 adversaires. Ouh, pas mal. Allez, faut pas se démobiliser. Hop, ah, il était plus rapide que moi. Bon, 16, pas mal. 16 déjà, c'est pas mal. Allez, 17. Ah bah en plus c'est celui qui est devant moi. Ouais, le premier, maintenant c'est Shadow Fireball. J'espère que je vais pas avoir de l'attente juste à ce moment-là par contre. Ça c'est pas bon signe que j'entende plus rien. Ah si, j'entends le bruit. Mais il n'y a pas de mort, enfin il n'y a pas de message. Ah si, ça revient. Ah bah il a gagné, d'accord, bon. Bravo à lui, j'aurais fait 17, c'est pas mal. Bon, évidemment, il a encore une arme surpuissante, mais bon. Comme j'ai dit, hein, je n'achèterai pas quoi que ce soit ici. Parce que c'est loin d'être nécessaire quand on veut seulement se détendre. Hein. Le but, c'est de se détendre, alors évidemment, hein, plus je fais de points, mieux c'est, ça c'est sûr. Mais bon, je suis pas là pour entrer dans le classement, bien entendu. Mes statistiques montent, tant mieux, mais bon. Après, si je peux m'acheter un petit truc, c'est toujours ça. Mais c'est pas d'une nécessité. Ouais. Ah, la Cold War, tiens, je voulais la faire en vidéo aussi, celle-là. Hop. Celle-là, elle pourrait éventuellement me faire ramer à cause de la glace. Mais ça a pas l'air d'être vraiment le cas. En même temps, mon FPS, de toute façon, est bloqué à 20. Donc bon. Et puis, bah, ce sera la dernière pour aujourd'hui, je pense, parce que ça va être l'heure de plus belle la vie. Et il se trouve d'ailleurs que je vais envisager éventuellement de faire des commentaires sur cette émission en vidéo. Oula, je suis pas très bon là. Mais uniquement dans le cas où quelque chose me choquerait particulièrement ou susciterait en moi une réaction assez importante pour que je m'exprime à l'oral. Donc peut-être, oui. Enfin, encore une fois, c'est si j'ai le temps et la motivation de faire les vidéos, sinon je m'exprimerai simplement sur Twitter. Ou sur le forum. Bon, allez, un point. L'honneur est sauf, le premier il est déjà à 13. Toi, non. D'accord. Ouh, 16, non, c'est pas un débutant, apparemment. Premier. Déjà, J-Man XX. Hein. 20, d'accord. On vient à peine de commencer, du coup, je vais peut-être avoir le temps d'en refaire une autre. Ouais, je pense, oui, je vais en faire une dernière après. Histoire de pas rester sur un score comme ça, parce que bon. Oui, va, oh d'accord, oui. Je sais pas quelle arme il a. Excellente imagerie, oui, d'accord. Donc ça, forcément, ça devait pas rigoler. Ah, j'ai peut-être... ouais, j'y pense un peu tard, mais ça devait être élevé. Excusez-moi. J'espère que ça va pas trop gêné, mais a priori non, 20% c'est pas non plus énorme. Ouais, donc je disais oui, pour plus belle la vie, peut-être des commentaires en vidéo, non pas en caméra
Vous ne me verrez pas, non, vous ne me verrez pas en vidéo. Mais je mettrai quoi? Je mettrai du Minecraft en fond ou autre chose, hein, on verra bien. Ou un diaporama, si j'ai vraiment le temps de préparer. Pourquoi pas? Bon, allez, une dernière. Allez, on va se faire la Apex 2, je voulais la tester. Je ne me rappelle plus ce que c'est. Allez, on fait la Pharah. Oula, 12 sur 12. Comme ça, on gagne du temps. Et puis, les ouais, 20h03, oui, bah c'est bon, on a le temps. On a le temps. C'est assez mal éclairé là. Et bon, encore, oui, de toute façon, de toutes les arènes, je les trouve quand même bien travaillées. Hein. Ça, c'est sûr. Et... Bon, par contre, celle-là, il me semble que c'est vraiment une des arènes où il y a le plus de passages et de recoins, des trucs comme ça. Donc, il va falloir faire attention. Après, ça donne vraiment un côté amusant aussi. Hein. Faire des petits passages secrets comme ça, c'est sympa. Allez, on va se faire un bon score pour finir la session. Oh putain, pardon. Hop. Je vais dire un truc. Oui, j'ai d'ailleurs, grâce toujours à Nico, j'ai appris ce que signifie en fait le Killing Spree. En gros, c'est quand on... Bah, c'est quand on touche 5 adversaires sans mourir entre. Donc voilà. Donc ça peut toujours être sympa, parce que je l'ai eu par hasard en fait hier, je m'y attendais pas du tout. Enfin, en dehors de la vidéo, mais je l'avais eu. Et voilà. Bon, double kill, oui, ça en fait, il faut toucher deux personnes en même temps. Mais vraiment en même temps, hein, c'est-à-dire que le railgun ne se recharge pas entre les deux. Bon, par contre, il faudrait peut-être que je me concentre un peu. Hop, celui-là. Putain. Forcément, je tire toujours à côté. Je vais aller trop vite, ou je sais pas, mais... En même temps, il faut aller assez vite sur ce serveur si on veut pas se... échouer. Ah, putain. Je me suis encore fait prendre... Ouf. Heureusement qu'on prend pas de dégâts de chute ici, quand même. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, rien de spécial. J'aime bien ce tunnel là, j'aurais pas eu l'occasion d'y entrer. Petit peu d'entrée. Oui. Il y a beaucoup de sortes de trappes comme ça. Ouais. Bon, deux, c'est pas énorme. Et donc bah, je vais être contraint de rester sur un score assez, assez moyen. Pas se le cacher. Mais c'est pas bien grave, tout à l'heure j'ai quand même fait des belles performances. Ah bah ça fait 3. Des belles performances. Même si j'ai pas gagné. J'espère hein, quand même pouvoir avoir une victoire un jour. Parce que pour l'instant, mon nombre de victoires s'élève à 0. Ce qui n'est pas vraiment énorme. Hein, on va pas se le cacher. Hein, de quoi? MLG2. Donc j'ai eu un succès. J'irai regarder tout à l'heure ce que c'est. Si j'oublie pas d'ici là. Ah bah il a gagné avec le truc basique, donc là je vais bien le féliciter. Parce que quand on... Ouais, on a quand même plus de mérite, hein, je trouve, à gagner avec le... Avec l'arme de base. Ce qui rejoint un peu d'ailleurs ce que je disais sur le CLUF, hein, la nouvelle charte que Mojang a mis en place. Bah, le CLUF permettra quand même de mettre tout le monde sur un même pied d'égalité. Et ça, c'est pas plus mal, hein, parce que quand je vois, bon,
Parce, notamment sur beaucoup de serveurs PVP pas forcément connus, hein, mais bah il y a des avantages payants et ce qui retire quand même pas mal de. Après, si ça se joue à l'argent, c'est pas intéressant, hein, franchement. Du Minecraft comme ça ne m'intéresse pas du tout. Faut que tout le monde puisse avoir accès et jouir des mêmes avantages. Voilà, donc c'était ma petite minute. Bon, après, honnêtement, un groupe de 5 de 3 personnes qui fassent ce qu'ils veulent entre eux, hein, si tout le monde est ami, après tout, ils font ce qu'ils veulent, tant que ça les arrange tous, après tout, pourquoi pas. Mais pour des serveurs assez gros, bah comme celui-ci, hein, quand même, dont la réputation n'est plus à faire, bah ce serait pas mal, oui, qu'en effet, bon, des petites réformes de ce genre. Bon, oula, j'ai eu de la latence. Oui, alors il fallait que je regarde ce qu'est le. Alors, Vanity Shop. Bah, Vanity Shop, bah, il porte bien son nom, bien que je ne puisse pas encore. Ouais, des gadgets, tout ça, bon. D'accord, mais. Et puis de toute façon, Particle Pack. Ah oui, bah MVP plus exclusive, oui. Ouais, bon. C'est pas pour moi. Et ça le sera certainement jamais. Ouais, oui, donc, que j'oublie pas, ce que je voulais regarder, c'était le succès que j'ai débloqué tout à l'heure, et qui était le MLG2. C'est où déjà les... Par là, oui, je crois. Ici, oui. Alors, c'est du QuakeCraft MLG1, d'accord, mais les deux. Bah là il s'affiche pas, je sais pas pourquoi, il s'affiche comme non obtenu. Donc en fait c'est tout simplement toucher 1000 joueurs. Progresse, pourquoi il met 985? Ouais, il faut le temps que ça se mette à jour. J'avais 985 tout à l'heure, mais je suis passé à 1000. En tout cas c'est bien sympa que ça affiche la progression comme ça. Donc ce qui fait que j'ai touché 1000... 1000 joueurs, mais enfin, par contre, je comprends pas trop. Parce que là, ça ne m'affiche que 502 à droite. Est-ce que c'est... Voilà, j'avoue que je comprends pas, par contre. Parce que si j'ai que 502 kills... Non, c'est pas... oui, d'ailleurs, j'en ai pas mal, mais... Ouais. Ouais, la souris qui se met à 1000 ouais, d'accord. Ouais, bah j'avoue que je vois pas trop là. Ouais, bah on verra, ouais, on verra. Ouais. Oui, j'en suis à 502, il me met que j'en ai tué 1000. Je vois pas, bon, bref. Oui, bah pour l'instant j'en suis à 0, ça c'est sûr. Et ça me met quoi? Donc 25 kills exprès, bah j'en suis à 1, hein, comme j'ai dit, je l'ai fait hier. Ouais, bon. Bon, bah il va être l'heure de plus belle la vie maintenant. Donc pour les commentaires vidéo, les éventuels commentaires vidéo, ne vous attendez pas à ce que j'en fasse. Hein. C'est vraiment si j'estime que cela s'impose. De toute façon, bien entendu, je l'annoncerai sur Twitter. Et puis bah ça fait une bonne vidéo quand même, hein, donc on va y aller. Et à plus tard pour du Hypixel, peut-être. Si je trouve pas autre chose à faire en fait. Peut-être du Hypixel seul ou en compagnie de quelqu'un. Sinon, bah, un autre contenu, je verrai. Ce qui me semble le plus viable, en fait. Bah, il va vraiment être l'heure maintenant. Donc, à plus tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.